Technomag vous emmène aujourd'hui dans une caverne d'Ali Baba, plus précisément la caverne des amis du vieux Séno. Suivez-moi. Comment est-ce que vous appelez ? Max Bersingère. Notre rôle il est un peu multiple. Souvent, on prépare pour des manifestations futures. On fait du rangement. Il y a quelques semaines, on a battu le blé. Enfin, on a récolté le blé avec la moissonneuse qui va nous permettre de battre le blé le jour de la fête du vieux Séno, au retour des alpages et à l'Ancy-de-Vienne. Et bienvenue dans l'atelier de réparation des amis du vieux Séno. Ici, les tracteurs sont bichonnés par une armée de bénévoles. Derrière moi, le petit Boats qui avait besoin d'un peu d'huile dans son vilebrequin. On en a plutôt trop. Il faut entretenir ce qui existe, ce qu'on a pour les maintenir en état de marche. L'important, c'est ça, quoi. Il y a deux hierzons, donc anciennement. Il y en a un qui va être fixé à la... Pour la batteuse, on a un vieux Somme-20 qu'on a récupéré il y a quelques temps. On a un pony qui manque encore une roue là pour le moment. On a le petit Titi qui est derrière vous là, et puis le vieux Renault qui est là-bas au bout. Et puis David Brown qui est attelé au four à pain là. Et puis un petit Boats qu'on a repeint l'année passée avec un Dutz qu'on a repeint. On a commencé à rénover tout doucement. On a eu la chance depuis quelques années d'avoir une équipe de jeunes qui sont vraiment super sympas et qui sont motivés, donc qui nous boostent un petit peu, mais ça fait du bien. Ici, on trouve de tout, des moissonneuses lieuses, des vieux vélos, des landaus, mais surtout de quoi faire un très beau défilé pour la fête du vieux Séno. Eh bien, tu l'as vu, Julie, nos bénévoles sont en ébullition pour préparer cette 37e édition de la fête du vieux Séno. Donc cette année, on vous réserve encore pas mal de surprises. Le samedi 31 août, tout d'abord, nous avons la 3e édition des Olympiades du terroir. Allez, 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 allez. Donc les Olympiades du terroir, je ne sais pas si tu te souviens de l'édition de l'année dernière, on vous montrera quelques images, mais ça vaut des points. Donc ce sont des équipes qui s'affrontent sur des petites épreuves assez ludiques et qui sont en rapport avec la force, l'agilité, l'adresse, mais aussi l'intelligence du terroir rural au Savoyard. Et puis on ne va pas oublier notre grande finale du totem des bottes de foin. Attention, attention, 5, 4, 3, 2, 1, top. Donc ça, c'est le samedi 31 août, à partir de 14h jusqu'à 17h30. Le public est le bienvenu, l'inscription est gratuite. Et pour les familles qui souhaiteraient venir encourager, rigoler et venir voir nos candidats des Olympiades, eh bien, nous aurons aussi les Jeux anciens en accès libre. Donc n'hésitez pas à venir de 14h à 17h30 le samedi 31 août. On aura aussi buvette et petite restauration sur place. Et puis quand j'étais en vacances, les membres du conseil d'administration des Amis du Vieux Séno vous ont préparé une petite surprise en images pour vous présenter les Olympiades et vous donner envie de participer. Alors apparemment, ils ont bien rigolé. We'll be right back.
Ensuite, on enchaînera toujours cette journée du 31 août avec une grande soirée de concerts gratuits. Donc pour le concert de l'apéro, on vous a programmé un groupe de Vallée Verte de l'autre côté du col des Vires. Ce sont les Guaps qui nous feront du rock reblochon. Et puis on aura ensuite Wawa West and Guest, donc une belle chanteuse qui nous interprétera des standards de la pop et de la soul. Et nous terminerons la soirée avec l'affaire Tournesol qui nous a été redemandée rock vintage et qui avait mis le feu l'année dernière jusqu'à point d'heure. Donc ils nous font le plaisir de revenir cette année et on terminera par une petite soirée DJ. Alors s'il vous reste des forces après tout ça, eh bien moi je vous invite le lendemain, le dimanche 1er septembre, pour la fête du Vieux Sénot, donc notre grande fête du terroir qui vous proposera comme d'habitude une bonne ambiance autour de marchés alimentaires, autour de podiums avec animation musicale, autour aussi de jeux en plein air, d'ateliers pédagogiques pour les enfants, de la célèbre mini-ferme avec tous les animaux des Alpes. Et puis nous aurons aussi les artisans, les démonstrations, les savoir-faire. Pour les temps forts du dimanche 1er septembre, nous aurons tout d'abord la traditionnelle messe en plein air à 10h. Puis ensuite, on pourra admirer le défilé costumé à 15h avec nos plus beaux équipages. Voilà, nos bénévoles t'ont un petit peu montré, je crois, ce qu'on préparait. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Et puis, petite nouveauté cette année, donc on aura le retour des selfies costumés qui avaient ravi petits et grands, donc venez vous costumer. On a eu ça l'année dernière et cette année, nous aurons un stand de maquillage à côté des selfies costumés. Donc n'hésitez pas à passer voir la maquilleuse avant de vous faire prendre en photo. Et cette année, on vous propose une découverte du blé au pain avec une animation spéciale moisson à découvrir à côté du gymnase. On va récolter le blé à l'ancienne avec votre aide. Vous pourrez ensuite visiter l'exposition gratuite du parc des Bauges des histoires plein nos assiettes, où on va parler aussi gastronomie. Et après tout ça, s'il vous en reste encore, vous aurez la chance d'assister à une conférence à 16h30 à la salle Saint-Martin, du grain à l'assiette. Pour la fête du Vieux Sénot, eh ben, on vous le rappelle, c'est le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre. En plein air, tout est gratuit sur la butte Saint-Martin, au 67 avenue des Néjos à Sénot. Vous aurez de nombreux parkings pour vous garer, mais si vous avez envie de laisser votre voiture, vous avez aussi deux navettes gratuites qui partent de Valsemnoz et de la place du marché, donc n'hésitez pas à les utiliser. On vous attend nombreux sur la butte Saint-Martin pour cette occasion de prolonger un petit peu l'été avant la rentrée. À très bientôt.